On se retrouve dans cette deuxième partie pour parler du vocabulaire spécifique à Tekken. Alors comme je l'ai dit en préambule de la précédente vidéo, personnellement je vais utiliser que des termes anglais dans mes commentaires, enfin plutôt qu'anglais, je devrais les qualifier d'internationaux, c'est-à-dire c'est des termes que reconnaissables par tout le monde, de quel que soit le pays d'où ils viennent, qu'ils soient japonais, coréens, qui viennent de n'importe quel pays d'Europe, qui viennent des États-Unis. C'est pour ça que je préfère utiliser les termes anglais, et c'est une décision que j'ai prise, et a priori je ne changerai pas, j'essaierai pas d'adapter en français, et personnellement je suis plutôt en faveur de ce genre de néologisme. Voilà, je pense pas que... Je trouve pas ça gênant, je trouve ça même intéressant. Voilà, donc c'est juste pour vous expliquer pourquoi je prononce en anglais, même si j'ai pas un accent terrible. Donc concernant les notations, je vais vous mettre des liens dans la description de la vidéo qu'il faut que vous alliez lire si vous voulez comprendre un peu les notations de Tekken, mais je vais reprendre ça rapidement dans la vidéo, mais les liens vous expliqueront tout. Et dans la vidéo, je vais surtout insister sur les termes qui sont pas expliqués dans ce genre de notation. Et donc c'est une notation qui est utilisée principalement pour décrire les combos, mais que j'utilise aussi pendant les commentaires. Donc le plus important dans les notations à Tekken, c'est les différents membres du corps. Donc le wan, le 1, ça va être le point gauche, le tu, le 2, ça va être le point droit, le sui, le 3, ça va être le pied gauche, et le for, le 4, ça va être le pied droit. Donc vous avez point droit, pied gauche, point gauche, d'accord. Et donc 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4. Et moi dans les vidéos, je vais prononcer à l'anglaise. Ensuite on a les directions, donc on a down, c'est bas, on a back, c'est arrière, on a forward, c'est avant, et on a up, c'est en haut. Et ensuite on peut combiner ça, donc on peut dire down, down forward, back, down back, up, up back. Donc voilà, on peut combiner tout ça, et si vous combinez ça avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut décrire la plupart des coups de Tekken. Donc par exemple, là je vais faire down forward 1, donc bas avant 1. D'accord, donc down forward 1, et quand je parle dans les commentaires, je vais toujours utiliser la notation en anglais. Down forward 1, et on peut aussi appuyer sur deux boutons en même temps, par exemple 1 plus 2. Donc là, souvent ça va faire un coup de coude quand vous utilisez les deux mains en même temps. Donc ça c'est 1 plus 2, et ça c'est back 1 plus 2, ce coup back 1 plus 2. Donc arrière et 1 plus 2, donc arrière point gauche plus point droit. Donc voilà, ça vous le retrouverez. Il y a aussi des petits détails de notation principalement utilisés dans les combos et pas en commentaire. Mais par exemple, vous avez le tilde. Ça c'est for tilde 3, c'est-à-dire 4 et rapidement après 3. For tilde 3, et ça vous le retrouvez dans les vidéos, j'en parlerai pas trop en détail. Ensuite on a le sidestep, donc ça c'est les mouvements. Sidestep, c'est juste le fait de taper vers le haut, de taper vers le bas, et c'est un mouvement d'esquive très rapide à Tekken, très important. Ensuite on a le sidewalk, c'est le fait de se déplacer comme ça en marchant, c'est un peu plus évasif que le sidestep, mais c'est différent. C'est vraiment une option différente qui a son intérêt également. Ensuite on a duck et crouch. Donc généralement quand on utilise duck, ça veut dire que c'est l'action de passer crouch. C'est le fait de s'accroupir comme ça, c'est l'action d'aller vers l'état crouch. Et crouch, c'est le fait d'être comme ça accroupi. Et parfois on entendra la forme avec le gérondif là, crouching. Donc ça veut dire faire quelque chose en étant crouch. Voilà. On va aussi utiliser stand et standing pour parler du fait d'être debout. Ensuite, on a un terme générique pour désigner les coups de pied sautés qui est le hop kick. Le hop kick, c'est un coup générique à Tekken qui généralement sort en 15 frames, est à moins 13 en garde, donc il est punissable en garde, et il est low crush. Donc je vais parler du système de crush rapidement. Il y a des coups qui esquivent les coups low, donc par exemple là, si Asuka fait un coup low, je vais sauter par-dessus, je vais l'esquiver. Et il y a des coups qui évitent les high. Donc ça, c'est un coup high, je peux l'éviter en me baissant en dessous, par exemple avec ce coup. Donc ça c'est le système de crush et c'est vraiment une invincibilité, c'est pas juste une esquive. Quand on dit crush, on parle d'invincibilité. Donc ça c'est invincible au coup low et ça c'est invincible au coup high. Mais l'invincibilité n'est pas immédiate, ça met un peu de temps à démarrer, sauf de très rares cas. Par exemple le fait de crouch, le fait de duck et de passer en état crouch, c'est high crush instantanément. Voilà, donc ça c'est le système de crush, et sinon on parle d'évasion, tout simplement on utilise le terme français, ou d'esquive. Voilà. Ensuite on a l'état running, donc à Tekken vous pouvez vous mettre à courir comme ceci, et donc il y a des coups qui sont disponibles que dans cet état, et on va appeler ça les coups while running, donc en train de courir, running, courir. Ensuite on a les coups while standing, c'est les coups en se relevant. Donc quand vous accroupissez à Tekken, vous ne pourrez pas repasser instantanément debout comme dans la plupart des jeux. Il y a un état dans lequel vous transitionnez quand vous passez debout comme ça. Et vous avez accès à un certain nombre de coups qui sont uniquement accessibles dans cet état, et c'est while standing, donc pendant qu'on se relève comme ça. Et c'est en passant de l'état crouch à l'état debout, il y a plusieurs coups. Et ça a son intérêt dans Tekken, notamment pour block punish. Quand vous avez bloqué un coup low, comme par exemple ça, vous avez bloqué ce coup, vous allez pouvoir le punir avec un coup while standing, puisque vous serez en train de bloquer bas,
et vous aurez accès à un combat qui débloque des coups en train de se relever. Ensuite, on a les coups full crouch. Donc full crouch, c'est des coups qui ne sont accessibles uniquement quand vous êtes accroupi. Donc par exemple, ce coup de Feng, je peux uniquement le faire en étant accroupi. C'est impossible pour moi de le faire depuis l'état debout. Je dois d'abord m'accroupir et ensuite faire la manipulation du coup qui est Done Forward One. Donc ça c'est Done Forward One, mais accroupi, ça c'est Done Forward One. Et vous voyez, je suis obligé d'être accroupi, donc on appelle ça full crouch. Donc full, complètement crouch en étant accroupi. Ensuite on a les coups qui jail. Donc le fait de jail dans Tekken, c'est le fait que votre adversaire ne puisse pas se baisser. Et donc en fait c'est une block string. C'est une block string qui conserve l'adversaire debout. Donc par exemple, si je fais cette séquence à Asuka, elle va pas pouvoir se baisser. Là je fais ça, elle peut pas se baisser. Par contre si je mets le troisième coup, elle peut se baisser sous le troisième coup. Donc ce n'est pas block string, ça j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et on peut se baisser dessous, donc ça ne jail pas. Donc jail, c'est le fait de bloquer l'adversaire sans qu'il puisse se baisser. C'est assez commun dans Tekken et c'est important. Par exemple ce coup là ne jail pas, donc Asuka peut se baisser et ensuite me punir, notamment avec un coup wall standing. Ensuite on a le fait d'être backturn, donc backturn ça veut dire tout simplement être de dos. Donc on se retourne et on met notre dos back, le dos, l'arrière en anglais. Voilà, donc ça c'est backturn. Ensuite on a les jabs, donc les jabs sont assez importants dans Tekken parce que c'est les coups les plus rapides de manière générale pour la plupart des personnages et c'est des coups assez génériques. Et on a le done jab aussi qui est un coup générique assez important, donc un jab c'est un coup de poing et généralement vu que les gens sont droitiers statistiquement plus, c'est le coup de poing gauche. Généralement les jabs, même à la boxe, on parle de ça. Ensuite quand j'utilise le terme générique, c'est qu'à Tekken il y a un certain nombre de coups génériques. Par exemple le down jab, ce coup là il est générique, le jab il est générique, c'est à dire c'est des options disponibles pour tous les personnages. Ensuite on a les stances. Les stances c'est des postures particulières pendant lesquelles vous avez accès à d'autres coups. Donc voilà, c'est des stances, c'est des positions, des postures particulières. C'est très commun dans les arts martiaux et on retrouve ça dans Tekken. Ensuite on a des termes spécifiques au mouvement, comme le plus important dont vous allez entendre parler tout le temps, qui est le Korean Backdash. Donc le Backdash, c'est tout simplement le fait de taper deux fois sur Back, et ça vous donne comme ça un dash, donc un déplacement rapide vers l'arrière. Et il y a le Korean Backdash. Alors, Korean, ça fait référence à la Corée, puisque c'est les Coréens qui ont principalement popularisé cette technique quand ils sont venus aux États-Unis pour les premiers tournois sur Tekken de l'époque. Les Américains étaient très surpris par cette technique, et donc ils l'ont nommé Korean Backdash, puisqu'ils ont appris ça en voyant les Coréens le faire. Et donc en fait, quand vous faites deux dash arrière dans Tekken, c'est très lent. Là je fais un dash arrière, deux dash arrière, c'est très lent, il y a une longue pause entre les deux. Et si je veux, je peux le faire plus vite, par exemple comme je viens de le faire là, hop, là je vais très vite vers l'arrière. Et en fait, je cancel, donc ça vous voyez ma vidéo précédente pour le cancel, j'annule l'animation du backdash où mon personnage récupère en faisant crouch. Et immédiatement après crouch, je cancel en backdash. Donc je fais backdash, crouch, backdash, et je le fais tellement vite que ça se voit pas. Et donc on appelle cette technique le Korean Backdash. De la même manière, on a le Wave Dash. Donc Feng ne peut pas faire de Wave Dash, mais tous les Mishima, donc Kazuya, Jin et Hachi peuvent faire un Wave Dash, Devil Jin. Et donc le fait de voir un Wave Dash, c'est le fait de faire un Crouch Dash. Donc Crouch Dash, c'est le fait de pouvoir se déplacer vers l'avant en étant accroupi, ce que Feng peut faire. Vous voyez, il se déplace vers l'avant et à la fin de son déplacement, il est toujours accroupi, comme ceci. Donc ça, c'est un Crouch Dash. Et les Mishima peuvent canceller leur Crouch Dash, et certains autres personnages comme Wurang et Bob, ils peuvent canceller le crouch dash, donc un dash en étant accroupi, en appuyant sur avant, et ça leur donne un wave dash, c'est-à-dire un dash wave, la vague, très rapide vers l'avant. Et en fait, ils vont, comme une vague, ils vont se relever, se baisser, se relever, se baisser, comme les vagues. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Feng, en revanche, il a accès au snake dash, qui est particulier à tous les persos qui ont un crouch dash. Et là, ce que je fais, en fait, c'est que je fais crouch dash, que je cancel vers le haut, et ensuite j'en refais un, donc ça c'est un snake dash. Et donc il y a tout un tas de techniques comme ça, mais voilà, ça c'est les principales. Vous avez aussi les roll dash. Donc les roll dash, Feng il en a un, ça c'est un roll dash. Et alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est la différence avec un crouch dash. C'est qu'avec un roll dash, je finis debout et en fait j'ai accès à des coups. Si je fais un roll dash, j'ai accès à des coups comme ça que je peux accéder qu'en roll dash. Si je fais un crouch dash, j'ai accès à mes coups while standing. Donc j'ai pas accès à mes coups en roll dash. Donc soit je peux faire un roll dash avec Feng, soit je peux faire un crouch dash. Et donc ça vous voyez, ça crée un mix-up avec Feng, puisque soit je peux faire par exemple un low comme ceci, soit je peux faire un mid comme ceci, même si de toute façon en roll dash j'ai accès au même mix-up, mais vous voyez, ça me permet, l'adversaire il peut pas deviner quand je fais un snake dash, c'est notamment l'intérêt, est-ce que je vais faire un coup while standing ou est-ce que je vais faire un coup roll dash. Et on a notamment Kishumon qui se sert beaucoup de ça, lui il fait un crouch dash
avec Raven, mais parfois il fait le roll dash. Donc voilà, ça c'est pour certaines options de déplacement. Ensuite on a le low parry. Donc le low parry, c'est le fait d'appuyer sur down forward et automatiquement ça va parier les lows et ça va ressembler à ça. Si mon adversaire le fait comme ceci, et ça c'est un low parry. On a aussi accès à des paris génériques, comme par exemple Feng qui a un pari comme ça générique. Et pari, donc ça veut dire parer, hein, ça vient de l'anglais, P-A-R-R-Y. C'est les paris. Ensuite on a les sabaki. Les sabaki, c'est un terme qui vient du japonais et ça désigne des paris extrêmement spécifiques qui sont très très rapides et qui font généralement plus de dégâts qu'un pari normal. Donc par exemple après le sabaki de Feng, ce qui est très particulier, c'est que je peux faire un combo. Alors le combo est très très difficile, mais je peux faire un combo derrière le sabaki comme ça de Feng, et vous voyez c'est beaucoup mieux qu'un pari générique, ça fait beaucoup plus de dégâts. Et les sabaki ont la propriété d'être des coups en même temps que d'être des paris. Donc c'est des coups très très spéciaux qui sont assez intéressants. Ensuite on a les attaques backswing blow. Donc ça, ça vient notamment du coup de Dudley dans Street Fighter 3. C'est des attaques qui vont très rapidement vers l'arrière, donc backswing. Donc swing, hein, c'est le fait comme ça de se balancer vers l'avant, de l'avant vers l'arrière comme un pendule. Et c'est un blow, donc c'est un coup backswing blow, donc le coup pendulaire vers l'avant. On peut pas trop traduire mot à mot, mais voilà. C'est backswing blow, c'est des attaques qui vont très rapidement vers l'arrière, généralement plus vite que les backdash, et qui sont très importants défensivement. Ça c'est les backswing blow. Ensuite il y a tout un tas de coups dont on va utiliser le vrai nom dans la move list, et on va utiliser souvent le nom anglais. Donc par exemple avec Feng, il y a un coup très célèbre Feng qui est back 1 plus 2, qui s'appelle Iron Fortress comme ça, et la plupart des coups qui ressemblent au Iron Fortress de Feng, on va aussi les appeler Iron Fortress. Donc c'est assez rare pour Feng, c'est pas vraiment le perso qui donne son nom à le plus de coups. Il y a ce coup là par exemple, on va le qualifier souvent de Snake Edge, bien que si on regarde dans la move list de Feng, ce coup va s'appeler différemment, il va pas s'appeler Snake Edge, il va s'appeler Sweep Kick. Mais vu qu'il ressemble au coup de Brian, donc Brian le personnage, Brian Fury le personnage de Tekken, on va l'appeler le Snake Edge parce que Brian a le coup qui a un peu donné naissance à tous les autres comme ça, donc on va appeler ça les Snake Edge. Il y a souvent des coups qui vont donner leur nom à d'autres coups qui y ressemblent. Il y a plein de coups comme ça, par exemple les électriques, on va toujours parler d'électrique pour les Mishima. Ou si jamais il y a un coup qui ressemble à un électrique, parfois on va utiliser le terme électrique. Donc pour ça, je ne vais pas faire une vidéo entière là-dessus, mais vous avez pas mal de coups, on va utiliser le nom du coup en anglais pour le désigner. Alors il y a une notion très importante dans Tekken dû au fait qu'on puisse sidestep, se déplacer dans l'environnement en 3D, c'est le tracking. Le tracking, c'est le fait de pouvoir récupérer l'adversaire quand il se déplace sur la gauche ou sur la droite. Donc les coups avec le meilleur tracking, ce sont les coups homing, c'est-à-dire les coups qui frappent toujours un adversaire qui se trouve sur votre côté, quel que soit l'angle. Donc c'est les coups avec une traînée de puissance comme ça. Et quel que soit le côté vers lequel l'adversaire va sidestep, ça va toujours les récupérer indépendamment de toute propriété évasive sur le côté. Après on peut quand même se baisser dessous, etc. Mais concernant les sidesteps, c'est impossible de sidestep les coups homing. Donc ils sont indiqués dans la move list, hein, vous verrez il y a un petit symbole qui vous indique les coups homing. Donc c'est le symbole comme ceci, bleu la flèche, qui vous indique le coup est homing, donc c'est strictement impossible de sidestep les coups homing. Mais on a aussi un tracking naturel, c'est-à-dire que les coups naturellement vont traquer d'un côté ou l'autre. Il y a une asymétrie dans le tracking. Et donc de manière générale, la règle pour le tracking, c'est que le coup va traquer du côté où vous le faites. Donc si je fais un coup de poing gauche avec Feng, ça va traquer du côté gauche. Si je fais un coup de poing droit, ça va traquer du côté droit. Donc c'est une règle générale, mais il y a des exceptions. Il y a aussi certains coups, comme par exemple le fish hook de Feng, le back four, qui va être quasiment homing. C'est pas un coup homing à proprement parler, mais il a un excellent tracking à gauche et à droite. Donc il est très difficile à sidestep ce coup. On a aussi la notion de delay. Le delay, c'est le fait de pouvoir décaler dans le timing une série de coups. Par exemple, avec Feng, si je fais ce coup-là, je peux le faire très vite comme ça, tac, tac, ou je peux faire tac, et tac, et vous avez vu, j'ai décalé très longtemps le coup, et donc ça, c'est le fait de delay. Donc soit il y a des delays intégrés comme ce coup, ça c'est pas moi qui le fais à la main, c'est juste j'attends un peu et j'appuie, soit vous pouvez faire des delays à la main, c'est-à-dire que là je fais un jab, et ensuite j'en mets un autre, mais si je veux, je peux en faire deux très vite. Et donc le delay, c'est une notion importante dont on sert souvent pour piéger l'adversaire et lui faire des frame traps.
Donc voilà, c'est la plupart des termes utilisés dans Tekken. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur de nouveaux termes, je ferai des vidéos rapides histoire de tout avoir disponible sur la chaîne YouTube. Comme ça, quand quelqu'un pose la question, je pourrai le rediriger là. Et bien sûr, en timestamp dans la vidéo, vous avez absolument la liste entière des coups dont j'ai parlé.